Then she was travailing for the first people to take a place. Elle était en douleur d'enfantement pour les premiers peuples. I didn't know there were a lot of indigenous people within that gathering as well. Je savais pas qu'il y avait beaucoup d'autochtones dans le rassemblement aussi. The late Monty O'Hea, who is the founder of the World Indigenous Christian Gathering from Maori from New Zealand. Monty de Nouvelle-Zélande qui a fondé une organisation internationale d'autochtones. And I want to honor his wife Linda O'Hea, who's here from New Zealand. C'est très important parce que comme on raconte l'histoire. I wanted you to know that Monty just passed away with a heart attack. Je veux que vous sachiez que Monty est décédé il y a pas longtemps d'une crise de cœur. Monty was a father in the indigenous circles. Monty était un père dans les cercles autochtones. He came to the gathering in New Zealand in 1996. He was so impacted by what the Lord is doing in Canada. Il était si touché de ce que Dieu faisait au Canada. And he said, "I want to take this to all the indigenous people all over the world." Il a dit, je vais amener ceci à tous les peuples autochtones du monde entier. Since that time, he started gathering all the indigenous people all over the world once a year to seek the Lord on behalf of the indigenous people. Et depuis ce temps-là, il a rassemblé les autochtones du monde entier une fois par année pour chercher la face de Dieu. Come here, Linda and the friend. I want to ask every First Nation, Métis, and Inuit to come here. Just come and before the storm. We went then into an apology. Je reconnais ça parce que nous sommes allés dans une demande de pardon ensuite. In January of 1998, the Honorable James Stewart got on national television as the Minister of Indian Affairs and apologized for the assimilation policy that that minister put in place many years ago in Canada. What was the year, Linda? What James Stewart. The year. 1998. En 98, le ministre des Affaires indiennes s'est repenti publiquement de toutes ses actions. Why was that important? Because it started the healing process in the hearts of all the first people in this country. Et cela a commencé le processus de guérison dans le cœur des autochtones au pays. But that was not the end result. Mais ce n'était pas la fin. And then in June. On June 11th, 2008. Et ensuite, le 11 juin 2008. Canada took the ultimate step. Le Canada a pris un pas de plus. When the Honorable Stephen Harper, Prime Minister of Canada. Quand le très honorable Stephen Harper, Premier ministre du Canada. From within Parliament. Du Parlement. Which we were negotiating for, believing for, and fighting for all these years. Ce que toutes ces années nous espérions et combattions pour voir. He took a stand. Il a fait un pas. For this nation, pour cette nation, and apologize for initiating the assimilation policy. Et a présenté des excuses pour avoir pour la and politique d'assimilation. To another level. Et ça nous a amené à un autre niveau. And that level, some people call reconciliation. Ce niveau, certains l'appellent réconciliation. But I think that's the wrong word. Mais je pense que c'est le mauvais mot. Because the word reconciliation comes from two words, re, which means to revert back to something that was already there. Réconciliation est faite de deux mots, re, qui veut dire redonner quelque chose qui existait. And conciliation means to establish a relationship. Conciliation qui veut dire établir une relation. We cannot revert back to something that wasn't there. On ne peut pas retourner à quelque chose qui n'était pas là. Because we said that we didn't have a relationship with the Church of Canada. Parce que nous disons nous n'avions pas de relation avec l'Église du Canada, ni le gouvernement. But we brought us to the level of conciliation. Mais nous sommes au niveau de la conciliation. Which Kenny said. Comme Kenny a dit. Is establishing true and meaningful relationships for all eternity. Qui est d'établir des relations vraies pour l'éternité. And this is very powerful. I just wanted to highlight this because once the covenant was done,
Dès que le covenant, l'alliance a été faite, the repentance and the covenant was done among the first peoples, la repentance et l'alliance parmi les premiers peuples, we joined together and for the first time, se sont mis ensemble et pour la première fois, there was one voice of all the people groups in Canada. Il y avait une même voix pour tous les groupes du Canada. And one voice means a governmental authority. Et une voix veut dire une autorité gouvernementale. And suddenly the government was a spiritual a seed of a spiritual government was established in the body of Christ. Et une semence de gouvernement spirituel a été placée dans le corps de Christ. English, anglais, French, français, first peoples. Premier peuple. And the Lord said, le Seigneur a dit, I birthed something that I will change the nation accordingly. J'ai fait naître quelque chose qui va changer la nation. That was done December 2005. C'était en décembre 2005. January 2006, the whole government went into an election. Janvier 2006, l'élection au gouvernement. And in March 2006, et mars 2006, the Lord brought a government that will bring his order and what he wants to do in Canada. Le gouvernement a été amené par Dieu pour amener un alignement au Canada. We are not in favor of a party. Ce n'est pas, on ne favorise pas un parti. Any party can come to government and any party will fulfill whatever the Lord wants. N'importe quel parti peut venir au pouvoir et n'importe quel parti peut accomplir ce que Dieu veut. Because the issue now is not about parties, it's about righteousness in the land. Parce que la question n'est pas de quel parti, mais à propos de la justice dans le pays. And because of what the Lord has done in the church. Et à cause de ce que Dieu a fait dans l'église. He brought us to a place of governmental authority to call forth the spiritual authority of God in the government. Il nous a mis un endroit d'autorité pour appeler l'autorité spirituelle de Dieu dans le pays. And today, step by step, we're taking back what the enemy has stolen. Et aujourd'hui, pas à pas, nous reprenons ce que l'ennemi a volé dans le pays. So I want you to watch this clip. Regardez ce clip. When our prime minister, this is from YouTube. Quand notre premier ministre est tiré de YouTube. When our prime minister Harper did the repentance to the First Nations right in the government. Quand le premier ministre a fait cette demande de pardon dans le parlement. So I want you to watch this clip. Regardez ce clip.